Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo, nouvelle écoute en direct, et là on va se lancer sur un feat que j'espère être mielleux, être sucré, être bien exotique, de la bonne mélodie, là je veux que ça coule. Kalash Damso, un binôme qui pour l'instant n'a jamais déçu, qui nous a d'ailleurs donné un des plus grands tube de la décennie passée, Moi Kamoun. Encore aujourd'hui, tu l'écoutes, t'es transporté. Et du coup, qui s'ajoute en fait à Tombolo et qui, du coup, devient le premier morceau, l'introduction de l'album, donc dernier album de Kalash que j'ai adoré. Bon, c'est un de mes albums préférés de cette année, hein, je vais pas vous mentir. Quer, Gazo avec Gazo, c'est incroyable. Même Guangu, Tombolo, il y avait quoi, il y avait qui était incroyable, My Life. Oh là là, Everybody Fall avec Bounty Killer. Bref, beaucoup de dingueries. On a un clip. Donc on va se mater ça. Juste avant, on va juste faire un petit test pour que dans le chat vous me disiez si vous entendez bien. Moi bon, je suis obligé de laisser le début, les gars. Ma chérie n'est pas mal au cœur. Kalash Damso, Malpoli. Les notes de piano là, la mélodie me fait penser à un truc de Damso. Fuir le monde évitant le regard des gens. Calf. Pour partir à temps, kilo de musper, beaucoup de descendants d'enfants. La moula, je fais, je suis dans le business en fait. Des économies, je vis dans leur tête, sans payer de loyer. Si je devais mettre fin le show, je t'ai rencontré au gros rouge. Et bleu foncé, on aime pas les bleus. J'ai une allée. Oh là, j'ai chaud comme Eminem. Putain, c'est trop lourd, bordel de merde. Mais le morceau il fait très lithopédion, hein. Les fanatiques de Damso là, trouvez-moi le morceau qui ressemble un peu à ça au niveau de l'instru, s'il vous plaît. Ipséité, voilà. Merci le bonus, on est d'accord. Voilà, toujours. Le prime, je suis toujours dans mon prime. Est-ce que je suis pas toujours dans mon prime, les gars? J'ai entendu direct. Est-ce que je suis pas toujours dans mon prime? Le prime, il est constant. Non, bref. Plus sérieusement. Damso est toujours le meilleur rappeur de France. Enfin, francophone. Damso, toujours le meilleur rappeur francophone. Il le prouve encore là. La palette. Donc voilà, c'est Damso, c'est trop fort, il sait tout faire. Et il sait tout faire, je dirais pas à la perfection, car seul Dieu est parfait. Mais de manière excellente. Il n'y a personne, le meilleur rappeur francophone. Là, le fast flow, les mélodies, les changements de rythme. Après, mais ces mélodies, elles sont plus pop qu'avant. Avant, c'était des mélodies de vraiment des mélodies de top là avec, enfin, pas de top liner, mais comment expliquer? En fait, ces mélodies sont. Avant, ces mélodies, c'était un peu des boucles. Je sais pas comment. Si vous allez me comprendre, je suis désolé, j'ai pas les termes là. Mais
Avant, ces mélodies, c'était plus des boucles, alors que là, c'est vraiment freestyle, enfin, ils chantent, il n'y a pas une cadence prédéfinie, tu vois. Hugo déteste. Oh là là, ça, pourtant, il est à Sydney. T'écoutes ça à Sydney, c'est l'été en plus chez eux là qui va commencer. Mais c'est vrai que l'instru semble très semblable à Ipséité, hein. Le morceau est pas immense. C'est pas exceptionnel. C'est un très bon morceau. Et puis Kalash, moi j'adore. Kalash, encore une fois, moi je trouve que vraiment, il a une voix qui lui permet tellement de tout faire et puis de transmettre des émotions. Il arrive, la tristesse, il y arrive aussi. Donc, franchement, moi je trouve que le morceau il est très réussi. Ambiance à la Smog. Alors attends, vas-y réécouter Smog parce que là t'es un peu le seul à parler de Smog. Ah, oui, pourquoi oui? Ah, Hugo il a kiffé, ok. Quand je vous disais ces mélodies c'était des boucles. Je vous disais, ces mélodies avant c'était des boucles. C'est des mélodies de mec qui fait des top lines pour des autres, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, l'ambiance fait Smog, mais du coup, vraiment, pour le coup, c'est Ipséité bonus, hein. Ah, c'est Ipséité bonus de fou, hein. J'ai vécu dans mes difficultés. Là aussi, c'est une boucle, sa mélodie. C'est une boucle, sa mélodie. Et maintenant, ces mélodies, c'est plus trop des boucles. Enfin, bref, j'espère que vous m'avez compris. Donc, j'adore. Oui, sur scène, il tente des fulgurances avec sa voix. C'est vrai qu'il en a tenté quelques-unes, ouais. Aux ardents de concert, incroyable, encore une fois. Le mec est trop fort aussi. Sur scène, c'est ça aussi. Pourquoi c'est le meilleur rappeur vivant francophone? Parce que sur scène, t'as exactement les mêmes performances que sur le CD. Sa voix, son souffle, ses flows. Voilà. Non mec, sur scène il est pas chiant. Non, c'était une des meilleures performances des Ardentes que j'ai vues. Let's go. Donc voilà, très bon morceau. Alors combien de chèvres on met sur 5 à ce morceau la famille? Hugo va sur le site à des tournois rap US. Mais je suis pas Hugo, mec. Je suis Amine. Mais ça a l'air lourd là, ce dont tu me parles. Ah, c'est dingue! Ah, c'est trop lourd! Oh, mec! Ah, ça va dans les favoris directs. Ah oui, à mon retour de... À mon retour de... Ah, merci beaucoup, mec! Ah, Toliver 02, c'est incroyable, là, ce que tu viens de nous faire! À mon retour du Mexique, on va se faire ça? Mais du coup, 4. Moi, j'avais voté 4 aussi. Du coup, quand je reviens du Mexique et qu'on reprendra là des lives où voilà, je peux avoir plusieurs écrans et tout, Toliver 02, rappelle-le-moi parce que je vais oublier, je me connais. Ou rappelez-le-moi dans le chat d'aller sur Ouhoufou. Donc voilà, très bon morceau. Donc sur YouTube, dites-nous ce que vous avez pensé de ce morceau. Notez sur 5 chèvres le morceau. Mettez-nous aussi un petit classement des feats Kalash Damso, Damso Kalash. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch pour participer à l'aventure. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.